La villa d'Aix-sur-Brise et Troyes, Fanny et Nanny disent tout sur leur première fois. Il y a quelques mois, Fanny Salva s'envolait vers Saint-Martin afin de régler sa problématique aux côtés de Lucie dans la villa d'Aix-sur-Brise et Troyes. Lors de cette aventure, elle a rencontré Mélanie avec qui elle est toujours en couple. Fanny et Nanny racontent leur première fois. En couple depuis plus de 9 mois désormais, Fanny et Nanny sont restées soudées malgré la jalousie de Vivian. Lors d'une interview accordée à Sam Zira, elles sont laissées interroger sur des questions un peu plus intimes comme leur première fois. Fanny raconte alors. Notre première fois s'est déroulée à Saint-Barth pendant le tournage dans une villa de malades. C'était génial. Ça s'est fait tout seul. On a attendu un petit moment avant car on s'était vu pas mal de fois auparavant. On a eu l'occasion de coucher ensemble mais on l'a pas fait. Lors de notre première date, on s'est mis un stop mutuellement pour faire les choses bien. Mélanie et Fanny ont menti à la production. Entre Fanny et Mélanie, le coup de foudre a été immédiat. D'ailleurs, elles n'ont pas hésité à braver les interdits pour se voir. On trichait, on se voyait en off toutes les deux. Première fois que l'on s'est vu durant le date de 24 heures, après c'était le week-end, on était en off. Je lui ai envoyé un SMS cap ou pas cap de venir me faire un bisou à l'hôtel et le lendemain je lui ai demandé de prendre un verre dans un bar miteux pour pas croiser la prod. On a passé toute la soirée. J'ai payé quelqu'un pour qu'il garde le secret. Et ces risques valaient la peine puisqu'elles sont actuellement toujours heureuses et amoureuses. Souhaitons-leur beaucoup de bonheur en espérant revoir le couple sur nos écrans prochainement.